Salut à tous et on reprend Dying Light. Ça fait super longtemps que j'ai plus joué, ou ça fait plus d'une semaine que j'avais pas touché. Ça c'est à moi, hein. C'est à moi. Ok, très bien. Donc il va falloir que je me refasse un petit peu les touches. Qu'est-ce qu'on faisait? Où est-ce qu'on était? Oula. Quelles sont les touches déjà de ce jeu? Voilà, ici, c'est bon, je l'ai. Donc on va continuer la quête principale. Château d'eau. Fouiller la planque de Barney. Ah c'est vrai, on essaie de... Est-ce qu'on courait après Barney? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut se TP dans ce jeu? Je ne sais plus non plus. Monsieur. Déplacer la carte. Non, je ne crois pas. Je crois que... Falloir y aller à pattes. Bon, on va y aller à pattes. Alors, c'est pas très grave. Alors, où est-ce que je descends ici? Il me semble que j'étais déjà descendu de ce truc. Comment est-ce que je sprint? Je pense qu'il sprint tout seul. Alors, hop. Essayons de ne pas mourir tout de suite. En tombant comme un gland. Allez, parfait. Parfait. Est-ce que je peux sortir? Je peux pas sortir. Ouais, je peux passer par en haut. Je peux pas passer par en haut. Si, je peux passer par en haut. Allez, let's go. Tu peux chercher les affaires de Barney. La voie est libre. Et parfait. C'est exactement ce que j'allais faire. Chercher les affaires de Barney. Hop. Parce que je pense qu'en fait, là, la quête principale, on l'a pratiquement pas avancée. Non. J'irai pas vadrouiller. Je pense que de toute façon. On va pas partir looter du légendaire, ça n'arrivera pas. Ah. Aiden, j'ai vu Sophie et ses hommes près du château d'eau. L'endroit devrait être vide maintenant, mais je sais pas quand ils reviendront. Ah, que des bonnes nouvelles. Il faut que je grimpe. Parce que j'aurais pas assez d'endurance. Ah. Il va falloir que je grimpe ici et que je me jette sur la corde, c'est ça? Ça tombe bien parce que je suis extrêmement bon dans les voltiges. Hop. Ah! Et voilà. C'est parfait. Hop. Je vois que j'ai des fans en plus qui me regardent d'en bas. Je vais essayer de recommencer ça. Non mais attendez, je peux pas. À quoi ça me servirait de bandouiller là-bas? Ah. Attendez. Quoi? Ah non, par là, d'accord. Je me disais aussi, c'est quoi cette zone là? Ça a l'air infect. Ok. Ah, il faut crocheter. Ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Non, pas comme ça non plus. Mais nom de Dieu! Voilà, c'est bon. C'est bon, ça passe. Allez! Chercher des preuves. Ah, un kit de soins, ça fait plaisir. Ah, je peux pas ouvrir ce truc. Ah, c'est ouvert maintenant. Ah bon, très bien. Donc je ramasse. Moi, je peux pas ramasser. Ah, inventaire plein. Ah, bah oui, évidemment. À un moment donné, fallait que je fasse gaffe. J'ai regardé mon inventaire, un peu ce que j'ai. Comment je regarde encore? Sac à dos, non, c'est pas ça. Voilà. Ah oui, effectivement, beaucoup de merdier. Écoutez, on va lâcher des trucs hein, parce que. Je sais que j'aurais peut-être pu les vendre. Bon, ça m'aurait donné comme 2-7. Ça vaut pas grand-chose. Voilà, je vais larguer un petit peu ce qui me semble moins bon. Et on va ramasser le reste. Très bien, l'épreuve. Alors, si j'utilise ça, est-ce que ça va me donner quelque chose? Oui, voilà. C'est pas une preuve. Ah, je vois que Aiden a fait l'école de détective aussi. Et ça, c'est pas une preuve non plus. Voilà un truc. Ah, ça va, on progresse, on progresse. Mais moi, je m'étouffe. C'est quoi ce bordel? Oh putain, c'est de la peau humaine. Ah bon? Akon, j'ai trouvé le tatouage qu'ils ont pris sur Lucas. Putain de barjo. Ah, effectivement, ouais. C'est pas cool. Je vais gerber. Dégage de là. On parlera à Hector et... Pourquoi tu fouilles dans les affaires de ma sœur? Je savais pas qu'ils engageaient des pèlerins comme gouvernantes dans ce trou.
Est-ce que tu mues, Barney? C'est quoi ce truc? Je pense que c'est sa voix d'habitude. On a pas un petit morceau de Lucas pour souvenir de lui, espèce de taré. Ouais, taré. Espèce de pot de couille. Mais c'est pas à moi. Je vais te buter, fils de pute. Oh, mais là, tu la vois venir quand même, la patate. Ah, il veut se la donner. Tiens, pied de table. Crève, je sais plus si j'ai des compétences. Je pense pas. Aïe. En fait, je vais crever. Ah, je sais pas. Ouais, mais j'ai pas vu que j'avais plus de vie. J'ai commencé le combat, mais sans vie. Ah merde! Attendez, non. C'est quoi ce bordel? Quoi? Ouais, mais je commence le combat avec pas de vie. Ah non, ça va, je suis full vie là. Oula! Essaye de nous tourner le dos! Oh là. Ah, il fait mal quand même. Bon, ça va, les parades sont pas. Ah, j'allais dire, les parades sont pas trop compliquées, mais. Ça va. T'es cuit. Mais j'ai rien de mieux que ce pied de table. Ah là là, j'essaie vraiment de parer au dernier moment, mais apparemment c'est pas. Prends ça, pèlerin. Mais je l'ai pas paré. Moi je vais encore crever. Ah c'est bon, ça va, ça passe. Ah, je l'ai juste mis KO là. Où est la fille? Je l'ai pas tué cette petite fille. Elle était fille. Pas là. Ça fait déjà un bon bout de temps que personne ne l'a vue. Tu sais ce que ça veut dire? Bah, que j'ai récupéré un morceau de peau. Ce fils de pute voulait prouver qu'il avait tué Lucas. Alors t'es un cannibale ou un truc dans le genre maintenant, Barney? C'est pas moi! C'est lui! Il m'a piégé! Ok, on emmène au poste. Ouais, je commence à avoir un doute quand même, parce que c'est un peu trop gros. Barney, c'est vraiment le bâtard de bas étage, là. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit twist, bon que travail, ce soit pas Hegel. Lui. Viens me retrouver dans mon bureau. Il est temps de remplir ma part du contrat. Ouais, là, je commence quand même à avoir un petit doute. C'est un peu trop facile là. C'est un peu trop évident que ça soit que Barney est un connard. C'est peut-être juste un connard aussi, hein, mais ça me semble quand même bizarre. Ah, et donc eux ont réussi à se téléporter, mais moi je dois me taper tout le chemin à pattes. D'accord. Hop. Est-ce que je peux descendre? Oula! Ça a marché pareil. Ok, donc on va revenir au QG. Ah ouais, hop. C'est beaucoup du trajet quand même. Bon, l'important c'est qu'on progresse dans la quête principale. Ah, je ne peux pas grimper. Ah là là. Faudrait le cheval de Skyrim là. Allez, hop. Galop. Oh, je peux monter ici. Ouais, mais peut-être c'est pas nécessaire, je pense, de grimper. On va y aller en bas, tranquillement. Ça va le faire aussi. Ouais, je suis pas certain que c'est Barney, hein. L'histoire de la peau là et tout ça, ça me semble un peu trop évident. En plus, pourquoi elle traîne dans son placard, genre, en évidence? Je sais pas. Généralement, dans les jeux vidéo, quand ils essaient de se défendre en disant « c'est pas moi, ils m'ont piégé », je ne sais pas. J'ai un gros doute sur Barney là. Je me demande si c'est un si gros bâtard que ça. C'est une petite fouine là, mais c'est peut-être pas un aussi gros enfoiré. Je pense que s'il y a des choix à faire, je pense que je vais essayer de voir si je peux pas me mettre dans le camp de Barney. Après je me trompe. Hein. C'est peut-être totalement lui. Hein. Peut-être totalement un enculé. Allez, hop, on ouvre, on va voir ce qui se passe. Allez, top. Hop. Et la suite de ma mission, parce qu'on va aller rechercher un autre morceau de Lucas. T'as tué le commandant. D'où est venue cette idée? De ta tête de malade?
ou de ta petite sœur. Va te faire foutre! Je détestais ce type plus que tout. Mais je suis pas assez con pour l'avoir tué. Chaque fois que j'attrape quelqu'un, même en flagrant délit, il le nie jusqu'au bout. Ouais, mais pour le coup... Mais toi, t'es peut-être assez stupide pour l'avoir fait. T'es peut-être même un abruti. T'essaies de m'énerver pour que je te tue ici même? Non, 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 ça va pas marcher. Tu vas être jugé et condamné. Donc t'as tué Lucas. Il s'est passé quoi après? Je sais pas, connard, parce que je l'ai pas fait. Ouais. Si tu me baises, je me vengerai. Mais je suis pas un tueur de sang-froid. Oublie ça, Aiden. Les minables de son genre veulent juste causer l'anarchie. C'est ce qu'ils préfèrent. On en a fini ici. Cet abruti ah ouais, je suis pas certain. Pourquoi je mentirais? Je suis vraiment pas certain. J'ai moins à gagner en vous mentant que si j'avais tué Lucas. Ce que j'ai pas fait. N'attends pas une pensée rationnelle de quelqu'un qui a besoin d'un cerveau séparé juste pour contrôler son sphincter. C'est toi qui parles avec ton cul. Laisse-moi tranquille. Ce morceau de peau est une preuve. Une preuve solide. Arrêtons de perdre du temps sur cette ordure, Aiden. D'accord. Il aura un procès suivi d'une condamnation à mort bien assez tôt. Et notre accord? Ça tient toujours. Va dans les tunnels du métro. Je t'y retrouverai après avoir éliminé Barney. Mais il y a encore une chose. J'ai besoin d'un service. Mais tu vas juste le buter alors. C'est pas, il va pas y avoir de procès. Et? Une fois que tu seras au centre, ma femme et mes enfants sont là-bas. Tu peux leur donner quelque chose pour moi et leur dire que je suis sain et sauf. T'as pas un autre type de confiance qui peut s'occuper de ça pour toi? Il faut croire que non. Tant que c'est pas de l'arsenic et que tu me tends pas un piège... C'est pas le cas. Ouais. L'adresse est dessus. Je suis même pas sûr. Je suis même pas certain. Je leur fais de moins en moins confiance en fait à ceux-là. C'est juste la façon dont les dialogues s'enchaînent et ce qu'ils disent. Et la façon dont ça se passe. Je le sens très très moyen. Vraiment très moyen. Après, je dis pas, c'est peut-être que Barney aussi a des trucs à se reprocher là, mais c'est ah, ça, c'est ma planque, d'accord. On est quand même dans le genre de jeu où il y a pas mal de twists avec tous les personnages, donc ça ne m'étonnerait pas que les méchants soient les gentils, et surtout que les gentils c'est soient les méchants. Qui ça, nous? Ah, très jolie barbe. Aitor nous autorise à traverser le. T'étais là, toi? T'étais caché derrière moi? Vos noms? Akon. Et toi? Aiden. Hey! C'est notre gars! Laissez-les passer! Ah, ça c'est cool. C'est gentil. Vous allez dans la boucle centrale, enfoiré de peinard. Enfoiré de peinard? Je trouve que j'ai vraiment l'air peinard. Oh, ah, excuse-moi, je t'ai oublié. On y va à deux? Attends, j'ai vu des trucs ici. Ah, en fait non, c'est bon, j'arrive. J'arrive. Excuse-moi. Hé, hey, t'as déjà trompé ta nana? J'ai jamais eu de nana à moi. T'as jamais été avec quelqu'un? Sérieux? Tout le monde est pas aussi obsédé que toi, Akon. Ah ouais. Malheureusement. Mais Malheureusement. Je comprends. Toujours à trimballer ton cul sur la route, d'une ville à l'autre, ça facilite pas les relations sérieuses. Et toi, t'as déjà eu quelqu'un? Pour de vrai? Moi? Quelqu'un? Ces histoires que je t'ai racontées, j'ai bien essayé, hein. Chaque fois, je me suis dit que c'était la bonne. Ou presque. Et puis, un jour, je l'ai trouvée. Mais ça a pas marché. Je lui ai fait du mal, et j'ai pas voulu empirer les choses. Et même lui, je lui fais moyennement confiance. Personne n'est parfait. Pas. Mais les gens qui sont gentils comme ça de base dans les jeux vidéo, ça me dit rien qui va. Bon, t'avances? Quoi, t'as figé? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Il se passe quoi là? C'était quoi ce bordel? Ah, d'accord, il y a une épée derrière toi. On fait quoi? On attend? le petit dialogue en anglais qui est passé crème. Sans eux, on tiendra pas longtemps. Des émanations toxiques.
On a combien de temps? Que dalle. Voir encore moi. Il y a sûrement un panneau de ventilation dans le tunnel de service. Va voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Je vais essayer de m'occuper de ces surtensions. J'espère que t'es aussi doué avec l'électricité qu'avec les femmes. Continue de jouer au petit con comme ça, il va t'arriver des bricoles. Branleur. Le panneau de ventilation est là. D'accord, le panneau de ventilation, très bien. Ah oui, ça urge, hein. J'ai 2 minutes pour faire le merdier. On va pas trop traîner. Par contre, je n'ai aucune idée d'où je vais. Ah, d'accord, par là. Par là. Ça va, normalement, le temps est large. Le temps est large à condition que je trouve évidemment le moyen de... Est-ce que je peux m'accrocher à ces trucs-là? Non, je peux pas m'accrocher là. Ah, ici. Ici, et puis ensuite, je peux sauter directement dedans. Ah oui, ça passe. Ok, ça va. En plus, je suis plus dans les toxines, donc c'est bon, j'ai le temps. Hakon, ça marche pas. Bip bip, ça marche pas, Hakon. On est dans la merde. Épaisse. Ah, putain de merde. Les câbles. Ouais, je viens de le dire. Suis les câbles. Ils devraient se conduire au générateur de secours. Des traductions qui ne se traduisent pas. Ok. D'accord. Oula. Lâche. Oula. Tu veux vraiment que j'aille là-dedans? Je patauge vraiment dans la merde. Hein. Ok. Sortons de ce merdier vite fait. Ah, je peux utiliser des champis aussi pour ça. Ok. Je l'allume. Oh merde. Il se coupe aussi sec. Tu m'entends? Je suis à côté du générateur, mais pas moyen de l'allumer. Sûrement, surchauffe. Il y aurait bien une solution, mais... Ça va pas te plaire. Y'a rien qui me plaît pour l'instant. Vas-y, dis-moi. Il faut couper une des sections. Je pourrais le relier directement au ventilo. Pourquoi ça va pas me plaire? Je dois couper les lumières. Toutes les lumières. Va falloir que t'avances dans le noir. On essaie. Je peux garder ma torche? Bien sûr. Bien sûr que non. Mais est-ce qu'on a le choix? Ok. À 3. 1. 2. 3. Allez! Pas de QT, cette fois. Allez quoi? Allez quoi? Oula, d'accord. Allez. Ah, de Dieu, et donc. Arrête de t'accrocher à tout ce que tu vois. Oh là là là, comment j'entends ici? Ah. On voit rien en plus. Je pense que c'est ici. Là. Ouais, ça a du sens. Par contre, je vois vraiment que dalle. Là, je peux pas, je suis trop court. Ah, ici peut-être. Ouais, comme ça. Allez, c'est bon. C'est pas la porte. On repart. Ah, oui, d'accord, ça s'est mis en route. C'est bon, ça va le faire. Juste pas que je vois. Ça. C'est bon, ça passe. Il va falloir que je prenne un champignon par contre. Oula! Pardon? Ah ouais, non, mais ça. Ah, je crois qu'il... Attendez. Ah non. Ah, ça va être trop tard. Ah, ça va être trop tard. Un poil de ce que vous voulez, là. Oh.
Ouais, c'était trop juste en prenant rien du tout. Hé, gamin, ça va? Dis quelque chose. Ça va, impec. Du calme, papy. Je vais bien. Et papy. Qui est-ce que t'appelles papy, gamin? Bah, toi. Hey, et si la prochaine fois, on inversait les rôles? Oui. Ouais. Moi, je suis le papy et toi, t'es le connard qui se trimballe dans on les digues. On change pas une équipe qui gagne. Toi, tu cours et moi, je cours. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça va tenir? Ça se pourrait bien. Si j'avais une semaine devant moi, bordel, je pourrais réparer tout ça les yeux fermés. Hakon, ça va tenir ou pas? Ça devrait. Mais arrête de t'arrêter comme ça. Y aller doucement pour que les ventilos virent cette merde du reste du tunnel. Je connais bien le coin. Cette station était désaffectée bien avant l'arrivée de l'épidémie. Faut avouer que les... Il y a un truc pas clair ici. Les quêtes sont pas super passionnantes. Hein. Tu déconnes. Putain. Quoi? Viens voir ça. Ben, je vois pas. C'est un rat. Quoi? T'aimes bien la décoration? C'est quoi ça? John Michael Novak. Quoi? C'est un vieux pote. Il y a ses graffitis partout en ville. C'est plutôt cool. Il devrait y en avoir un autre ici. C'est du basique, là. T'entends ça? Non, t'hallucines. Je vais aller voir, histoire de m'assurer que c'est pas le dernier truc qu'on entendra. Bouge c'est pas. Juste des ombres. Okay. Hein. Est-ce que tu veux que ça soit? Ah, ici. Ici, cool. Oh, il y a un gros truc qui arrive. On devrait peut-être courir. Non, merde. Il y a un truc qui a dû déconner là-haut, Aiden. J'aime pas du tout ce bruit. Ouais, et moi j'aime pas du tout le fait d'être coincé de l'autre côté de la porte. Putain, c'est génial. File-moi la clé du GRE. Je vais essayer d'ouvrir les barrières, je sais quoi faire. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu t'en es déjà servi pour ouvrir des trucs du GRE, c'est ça? Ça aussi, c'est du matos GRE. Je trouve la salle de contrôle et je m'en sers pour ouvrir les barrières. Mais t'es coincé. Il y a des trappes vers le tunnel de service de ce côté. Je vais aller chercher la salle de contrôle. File-moi la clé à moins que tu préfères qu'on crève asphyxié. Ouais, mais en même temps, là, c'est bon. Pas un choix de dialogue. Là. J'ai juste une solution. Je vais aller voir la première trappe. On va s'en sortir, parole de chauffeur. Je te fais à 100% confiance. Hakon. Oh, et en plus, il a des pouvoirs de sorcier. Hakon. Hakon, t'es où? Me laisse pas ici. Fils de... Merde, ça marche pas ici non plus. Ah, zut. Ok, attends, j'ai une autre idée. Meilleur que la précédente, hein. Non, me fais pas ce coup-là, putain. Fais-moi confiance. Te faire confiance? Hakon, bordel de... Hakon, me laisse pas ici. Oh, bordel. T'as intérêt à trouver un truc. Et vite. Ouais. Ouais, moi qui trouvais que j'étais un peu trop seul. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Mais dis donc, il me crache à la gueule, littéralement. Ah, il y a des champignons ici. Non. Oula. Ah, ça va, ça a l'air de... Aïe. J'allais dire, ça a l'air de faire des dégâts. Ah, pas tant que ça, finalement. Je ne vois rien. Ah, c'est mieux. Oula. Attendez, il faut que je tue les espèces de trucs luminorescents. Aïe. J'ai essayé de faire un truc, ça a complètement foiré. Oulala. Oh, et ça bouge. Où est-ce qu'il est? Il est mouru. Attends, j'arrive. Merde, toi, je t'avais pas vu. Oulala, ça donne la gerbe tout ça. Ok, c'est bon, j'ai tué les espèces de trucs qui me balançaient du vomi. Hakon, tu me reçois? Ah! Aïe, il court plus vite que moi! Attends, allez vous faire voir! Oula! Non, c'est ma passerelle! Oula, mais tu viens d'où toi? Mais non, oui! Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Il y a un passage? Ah d'accord, ok.
Bon, j'aurais besoin de m'en aller maintenant. Rester en vie jusqu'au retour d'Akon. Tout va bien. Ah. Ah, par là. Est-ce qu'il faut que je les tue tous ? Akon, réponds-moi. Oui, réponds et vite. S'il te plaît. Je suis en train d'abîmer ma meilleure arme. Je crois que c'est ma meilleure arme, je ne suis même pas sûr. Oui, c'est une arme légendaire. Bon. Je dois juste survivre, c'est ça ? Il faut que j'attende ? J'imagine qu'il y a un énorme qui va arriver juste après. Ah ! Y a quelqu'un ? Oui, il y a moi. Hello ? Hey oh ! Ah. J'y suis, c'est bon ! Parlez plus près du micro, s'il vous plaît. Ah voilà, aïe. Je donne des coups au hasard, je vais bien finir par vous toucher. Mais c'est pas possible. J'arrive à te rater alors que t'es dans un couloir. Ah, ok, nouvel objectif. Ah oui, tu peux me looter des trophées. Allez, j'arrive. Passer la barrière, ah bah oui. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici ? Coucou. C'est Hitor qui m'envoie. Où est ton pote ? Et je sais pas. Akon est allé ouvrir les barrières. Pourquoi il ferait ça ? Ouais, ça c'est ce qu'il a dit, hein. Attends deux secondes, je vais te tirer de là. Magne-toi. L'infection devient rouge, je vais pas tarder à me transformer. Ça devrait régler le problème. Okay, merci. Pour le moment. Mais pourquoi tout le monde m'abandonne ? Ah d'accord, résister aux attaques désinfectées. Ok, ils ont pas trop de vie, ça c'est la bonne nouvelle. Je pense qu'il y en avait 3 qui me tiraient dessus. Ah, ouais, ouais, évidemment. Je pense qu'il va, je vais être obligé en plus de tuer celui-là, si jamais je veux... déclencher le script pour la suite. Presque sûr que je vais être obligé de le tuer. T'es où ? Je l'entends. Oulala ! Je crois que c'est lui qui m'a donné une patate. Oula ! Où ça ? Je sais pas si c'est lui qui est en train de crier là. Lui est tombé. Ça allait bien. Je l'entends là, boum boum. Je crois qu'il est de l'autre côté. Ah non, il est juste en dessous. Attention. Hey, je suis là. Ah mais ça tombe bien parce que... Aïe. Oh là là, il me massacre alors que je suis au sol, quoi, les gros dégueux. Mais t'es où, là ? Ah, d'accord, ok. J'ai vraiment besoin de partir, là, maintenant. Ils peuvent me taper pendant la cinématique ? Ah non, ça va, ils attendent bien sagement. C'est pas fini ? Ils sont tous autour de moi, là. Ils sont tous dans mon cul. Tu veux que je fasse sauter le mur ? T'as une meilleure idée ? On a vraiment plus trop le temps. T'as vu Akon dans les parages ? Non. J'ai comme l'impression qu'il m'a entubé. Ouais, tu serais pas le premier ni le dernier. Attends. Je tiens encore le coup. Pour encore pas très longtemps. T'apprends vite, c'est bien. Ils ont disparu, les zombies ? Je retourne à la sortie. C'est gentil, merci. Quand même me mettre un petit soin au cas où, mais ouais, apparemment les zombies ils ont sagement attendu. Par contre, on va foncer vers l'objectif là parce que. Allez. Ah mais je peux pas. Ah la saleté portée. Oh ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Ah, c'est pas vrai. Ok, là ça devrait être bon. Allez, boum.
Parfait. On se casse. Ah là là. Ah ça picore, ah ça picore, aïe aïe aïe. Ok, c'est bon, je vois la lumière, enfin, je vois ce qui ressemble à la lumière. Mais sortons de ce merdier. Ah, donc la petite fouine, là, il m'a abandonné. Il me demande bien ce qu'il va me dire, ce qu'il va trouver comme excuse. Ah, aïe. Et voilà l'autre sac à merde. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Chope-le avant qu'il réplique. Ok, je suis désolé de t'avoir incriminé là. Vous voyez, messieurs. On peut discuter. Je pense que tu es finalement pas si dégueulasse que ça, Barney. Je vous l'avais dit. On peut faire copain comme au début. Foiré d'Akon High, ce petit péteux d'Aiden est jamais bien loin derrière. Qu'est-ce que t'as fait à Akon? Akon? Nada, mon pote. On l'a juste un peu bousculé et il s'est tiré. Toi, par contre, t'auras pas autant de veines. Non, mais je veux changer de camp. Tu vois? Il n'y a pas grand-chose en ce bas-monde que je déteste plus que les pacificateurs. Toi, t'es un trailer, traître et voleur. Ah, encore un nouveau mot. Tu nous as piqué de l'eau, sale vermine. Alors je vais coller ta tête sur une pique et la coller sous le pif de ton pote Aitor. Ce sera pas nécessaire, là. Où est Akon? Il s'est barré dès qu'il nous a vus. Tu parles d'un pote. Ouais, le type était censé être traceur. Traceur, mon cul, ouais. Ça conforte un peu. Dégage mon idée. De mon chemin. Je le répéterai pas. Oh non, je crois que je me suis chié dessus tellement j'ai peur. Tu voudrais que j'oublie le fait que tu t'es foutu de la gueule de ma sœur, que t'es allé lécher le cul de ces soldats et que tu nous as piqué notre eau potable. Ok, je m'excuse pour tout ça. J'aurais dû buter Lucas. Et en même temps, je l'emmerde. Maintenant, c'est toi qui vas y passer. 1 contre 3. Chopez-le. 1 contre 3, c'est parti. Allez. Tuez tes potes en premier. Vas-y. Pour moi, celui-là. Oula, c'est quoi? C'est quoi cette tentative d'attaque de merde? Aïe aïe aïe, j'ai eu mal. Non, ça va pas. Ah, j'ai pas eu le temps de me soigner, je vais me crever. Aïe aïe aïe. Ah, je vais crever. Il aime pas quand on se heal, hein. Il fonce directement vers moi. Là, ça va, ça passe. Les coups les coups chargés par contre. Crève, traître. Ah mais j'ai tué Barney. J'ai tué Barney mais merde parce que là je commençais à me demander si c'était vraiment un salaud. Ah. J'ai peut-être tué un innocent. Hein. Enfin, un innocent, c'était quand même un connard, hein, mais. Je pense pas qu'il était aussi connard que ce que le jeu voulait nous montrer, mais bon. Bon, on va très très vite l'apprendre. Tiens, plus un. Cool, alors est-ce que j'améliore ma santé ou mon endurance? Sans doute encore un peu ma santé, parce que je me trouve encore faible, un petit peu faible. Alors, donne. Écraser la tête de vos ennemis au sol. Ah, les. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Éliminer rapidement un ennemi par surprise nécessite un couteau. Pendant une charge, chargez un ennemi et faites le tour. Ah mais j'ai pas de point de combat. De toute façon j'ai débloqué des choses mais j'ai pas de point de combat, ça ne sert à rien. Allez hop, je prends les baskets, je prends ça et on continue.
Bon, mais tant pis pour Barney, hein, il devait mourir, c'était prévu dans le script, quel que soit ton choix, oh, je pense. Merde. C'est pour ça qu'on n'a plus de courant. Ils ont fait sauter le moulin avant. Ah. Anderson, je suis dehors. J'espère bien. Mais... on verra ça. Il s'est passé quoi? Je suis coincé dans un ascenseur. Je croyais que les générateurs fonctionnaient. T'es où? Aitor a envoyé du monde. J'espère juste qu'ils... Oh là, il y a des gens qui sont en train de se téléporter en bas. Rouge. Bon, bah, je vais venir t'aider. Ralentis-y, et attends. Je viendrai te chercher. Écoutez ça. J'ai déjà mon chevalier blanc attitré. Tu me sauves, je te sauve. Ouais, ça a du sens. Dans l'ascenseur, au point d'extraction. Tu bouges surtout pas. Mais comment tu veux qu'elle fasse? Elle est coincée. Elle est coincée. Ok, il est où le... Aider Anderson. D'accord, mais il est où sur la map? Elle est ici. Donc elle est par là. Bon, on va y aller. On va y aller. Ah, je suis coincé. Mon cul est coincé dans la porte. C'est bon. Par où est-ce que je passe? Il y a l'air d'y avoir un passage par là. Oups, désolé. Il y avait un passage aussi là-bas. On va suivre là. Ah, eux s'énervent toujours sur les voitures de police. Anderson, j'y suis presque. Ouais, attends. Oh, pardon. J'ai écrasé un monsieur. Anderson, dis-moi un truc. Comme quoi? N'importe quoi. Je sais pas, pourquoi t'as rejoint les pacificateurs? J'avais une petite sœur, Olivia. Ok, dis-moi autre chose. Un jour, elle a disparu. Elle et son amie. Une minute, elles étaient là et puis... on ne les trouvait plus. On n'a jamais retrouvé les corps ou quoi que ce soit. Elle avait 7 ans à l'époque. J'avais 14 ans. Et pas cool ton histoire. Rapidement, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le GRE enlevait des enfants pour des tests. Et que l'armée couvrait ça. Alors dès que j'ai pu, je me suis engagé. Il y a du drama chez tous les personnages du jeu. Oula, attends, non, je connais cet endroit. Le GRE, tout comme moi. Et c'est tout. Ok, Aiden, j'ai failli me faire éclater la margoulette. Chaque ici. Sortie était coupée d'une alimentation de secours. Cherche les générateurs de secours et dépêche-toi. Anderson, dis quelque chose. Allez, maille-toi. Je fais de mon mieux. Tiens. Anderson, dis-moi encore quelque chose. Voilà, je pense que Anderson va mourir. Je suis censé faire quoi, moi, ici? Non, ne faites pas attention. Voilà. Je vais essayer de faire une brochette. Voilà, petite brochette. Ah, j'ai raté l'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Aouh! Je prends des coups dans le derrière. Ici. Ah, mais il faut que je sorte! Je sors du merdier. Attendez. Je cherche un endroit pour passer. Bah, en fait, je vais ressortir par là où je suis. Pas obligé de tuer ces gros monstres visqueux. Simplement longer et sortir. Ouais, c'est juste ici. Allez hop. Paf, ça passe. Ouais, celui-ci essaie. Ok, Anderson, dis-moi quelque chose. Parle-moi encore des problèmes que tu as avec ta famille. Ah, il faut que je retourne à l'intérieur, d'accord. Finalement, Anderson me paraît beaucoup plus safe que les autres personnages que j'ai croisés jusqu'à maintenant. Démarrer les générateurs, oui, je vais le faire. J'écroche juste ce charmant bonhomme avant. Je vais essayer d'attirer les autres. Ils
Ils sont pas si rapides que ça, mais j'ai juste besoin de, je pense, de les attirer un peu, genre ici, tous les deux. Ah, mais le problème c'est que là il y a deux saloperies. On fait pas. Ah, on peut pas avec des. Oula, il y a le gros qui est juste là. Je pense que s'il reste juste les gros, ça. Oula, qu'est-ce que tu fais toi? Ah non, 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 non. C'est moi qui dois rentrer là-dedans, c'est pas toi. Ah oui, non, mais lui est vraiment trop proche. Ah. Paf. Pas l'impression que les attaques chargées te fassent vraiment autant de dégâts que ça. Ah, voilà le un autre trou. Ben voilà, vous voyez pas que j'ai déjà assez de problèmes comme ça? Ah là là, je lui donne des petits coups, des petits taquets pour l'énerver là. Il est bugué. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Il est bugué. Il essaie de donner des petits coups derrière, mais il bouge pas. Ah si, là il est. Ah, j'ai trouvé son point faible. C'est son derrière. Il a le cul fragile. Voilà. Eh oui, on l'a prévenu. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut que je descende lui? Ah, c'est les espèces d'enfoirés qui sont là, qui sont en train de m'énerver. Défoncez-le, mais venez me chercher. Qu'est-ce que vous faites? Ou alors, est-ce que c'est lui? C'est lui que je dois tuer? Oui. Non mais je suis loin, mais... Je suis super loin en fait, je comprends pas comment je prends les AOE de ces attaques alors que je suis à perpète. C'est quoi? C'est le vent qui me touche? Je dois carrément faire une petite esquive. J'ai trouvé. Ah, il a mal! Il a mal, il a mal, il souffre! Bon, ben voilà, j'ai tué les monstres qu'il y avait dans la zone. Ah ça va, c'était vraiment juste les monstres qu'il y avait dans la zone que je devais tuer. Les gars qui s'énervent en haut, c'est correct, je peux les laisser en suis pour le moment. Tiens bon. Ah oui, c'est vrai. Oula. J'arrive. Anderson, réponds-moi. Oui, alors je vais. Merde. Je vais. Aïe aïe aïe. Attends, je vais essayer de pas mourir maintenant. Qu'est-ce que tu fais, Tam? Ah, j'ai plus d'endurance. Ok, j'ai plus de soins non plus, donc j'espère que t'es là, Anderson. Hein. Parce que là, c'est la merde. Anderson, tu es là. Ah, zut. Oula. Ah, je suis désolé. Ah, zut. Ah là là. Bon. Tu m'as sauvé la vie, Anderson. Voilà, et moi j'ai... Merci. J'ai malheureusement bien. Pas réussi à sauver la tienne. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est pas grave, on va pas se morfondre non plus trop longtemps. Et on va continuer. Je suis là. Anderson est avec toi. Je suis désolé. Ouais. C'était pas de ma faute. Elle est morte, Hector. Elle m'a sauvé la vie. Qui a fait ça? Les tarés? C'est Akon. Non, c'est... juste arrivé. Il faut reprendre le moulin avant, alors j'ai envoyé des troupes au bazar. On va remettre les sauvages dans le rang. Ah, non, on m'a dit que les explosions ont bloqué le tunnel, Aiden. Désolé. Aller au centre devra attendre. Oh, c'est pas grave. Je dois d'abord récupérer quelque chose. Ah bon?
Ce que je dois récupérer, moi, en ce moment, c'est du... Ah, mais je me demande si je peux pas le crafter, par contre. Fabrication... Ah non, il me manque de la camomille. Camomille, c'est les espèces d'herbes, c'est les fleurs qui se promènent. T'es encore en vie ? C'est pas grâce à toi. Les types du bazar. Ah ouais, espèce d'enfoiré. Ils ont complètement pété les plombs. Ils sont en train de massacrer les pacificateurs. Et ils ont bien failli m'avoir aussi. Je viens te chercher. Pas besoin. Ah. T'as la clé du GRE ? J'ai ce qu'il nous faut, amigo. On se retrouve chez Sarah et Jana. Le tunnel vers le centre est bloqué. J'ai une autre idée. Vite. Oh, oh. Ah, j'avais pas vu que je pouvais faire ça, tiens. Ah, boum. Qu'est-ce qui se passe ? Copain ? Alors, je tiens à vous dire qu'il y a un petit problème qui s'approche. Voilà. Ah, bah, on a réglé le problème. Est-ce qu'il, vous avez pas des amis là-bas qui sont en galère ? Non, non, bah... Quelle violence. Ok, bah c'est pas grave, continuons. On va essayer de ramasser des fleurs sur le chemin. Je vais essayer de me... Alors, est-ce qu'il y a des choses ici ? C'est vrai que je ne fouille plus trop. Ah, du cuir, super. Du tissu. Ouais, les quêtes manquent un peu d'entrain, je trouve. Enfin, je sais pas, je les trouve mollassonnes. Je trouve pas que c'est des... Ah, il faut monter tout en haut. Je trouve pas que c'est... C'est très entraînant comme, comme quête. Pour l'instant. Ça va peut-être s'améliorer après, je ne sais pas. Accroche-toi à ça. Ensuite, grimpe sur ça. Allez. Je me rappelle plus trop du premier. Mais... J'avais quand même l'impression que c'était plus intéressant. Après, c'est bon, c'est aussi. Ah! C'est aussi le côté découverte dans le premier qu'il y avait. Donc, c'est toujours mieux de découvrir un jeu comme ça. Après, quand tu les mets quand même côte à côte, je sais pas. Hein. C'est peut-être juste le scénario qui me plaît pas en fait. Akon. Ah, te voilà enfin. Ah. En route. Mon pseudo Quand ami. Jana a appris que tu venais, elle a pris Sarah et s'est tirée. On dirait qu'elle tombe pas trop à la bonne. Où est-ce qu'on est ? Oui, mais tu m'excuses, mais. Putain de merde. Ah, je regardais pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Laisse-moi voir. Laisse-moi regarder ça. Merde. Attends. Montre-moi, je vais t'aider. Oui, je vais t'aider comme tu m'as aidé. Toi. C'est quoi ça ? La blessure du Lazare ? Alors c'est toi qui as tué Lucas ? Sans ce poids, America, il aura fallu que quelques secondes pour finir le boulot. Ah, ben voilà, même si petite fouine. Qu'est-ce que tu racontes, putain ? Je vais pas dire le contraire. Alors t'as découpé ce tatouage et tu l'as collé sur Barnett ? Waltz, c'est lui qui a donné l'ordre. Tu bosses avec Waltz et tu m'as rien dit ? Espèce de sac à merde. Je pense que je vais laisser travailler mon instinct plus souvent. Waltz m'aurait tué comme il a tué Dylan. Et tous ceux qui le contredisent, il fallait que je me barre d'ici. Je pouvais pas te le dire. Pourquoi ? Tu sais que c'est lui qui m'a torturé dans le passé. C'est pour te protéger que je te l'ai pas dit. Et si tu découvrais quelque chose à propos de ta sœur, Waltz va te tuer. Où est-ce qu'il est ? Ah, merde. Où est Waltz ? Je suis censé le retrouver sous l'usine de voiture, dans le tunnel du GRE. Je suis mort ici, tu piches, putain ! Ils vont me buter. Ouais, tu me laisses. Tu me laisses maintenant. Rends-moi la clé du GRE, Akon. La voilà. J'avoue que j'ai bien envie de te laisser, ouais. M'a abandonné, pauvre con. T'auras ce que tu mérites. Celui qui te cherche va pouvoir finir le boulot. Soit ton assassin te retrouve, soit c'est les infectés. Et tu trouveras jamais ta sœur. Waltz va te tuer. C'est plus ton problème. C'était sympa de te connaître.
Va te faire foutre. Oh ouais, va bien te faire foutre. Aitor, Aitor, réponds. Aiden, dis-moi ce qui se prépare. Oh, t'as pas idée. Barney et Sophie, ils ont pas tué Lucas. C'était Hakon. Ouais, mais ça, rien que ça, déjà, tu mérites de crever. Rien que pour ça. Waltz lui a fait faire. Et ça complète ma part de notre accord. À toi. Attends. Aiden, t'as vu Waltz? Tu sais où il se cache? Dans l'ancienne usine de bagnole. Donc on va se retrouver là-bas. Waltz est sacrément dangereux, Aiden. C'est un renégat. Oh, on doit l'attraper. Ça, je me doutais qu'il était dangereux, mais... La boucle centrale restera en place. Ah. Pas Waltz. Fais-moi confiance. On se revoit à l'usine. Mais je cherche de la camomille, moi. Oui, non, Hakon, je suis désolé, mais il me l'a quand même fait à l'envers sur plusieurs, dans plusieurs domaines. Il faut pas déconner. Il s'est fait virer du GRE il y a quelques années pour une histoire d'expérience illégale. Aujourd'hui, c'est le bras droit du boucher. On le cherche partout, c'est clair. Et plein d'autres aussi, mais il s'est peut-être passé un truc et Waltz en a profité pour prendre du galon. Pourquoi il voulait la mort de Lucas? C'est le premier truc que je lui demanderai quand on l'aura chopé. Ouais, et donc du coup, mais c'est con, je me demande s'il y avait moyen de laisser Barney en vie. Peut-être certains dialogues avant que j'ai pas bien fait. Je sais pas, j'imagine que Hakon on va le retrouver de toute façon plus tard. Parce que, bon là, si on ne le voit pas mourir généralement, c'est qu'il reste en vie. On va bien voir. Oula, il y a des ennemis ici. On va bien voir ce que ça va donner plus tard dans le scénario, mais ouais, non. Aitor, les pacificateurs là, c'était pas une bonne idée. Je pensais vraiment que ça allait être comme la confrérie de l'acier dans Fallout. Je vais essayer de passer par le toit. Sois prudent. Waltz est extrêmement dangereux. En fait, je sais. J'essaierai d'ouvrir la porte. Faut aller en haut, j'imagine. Oula, moi il fallait juste passer. Mais j'essaierai d'ouvrir la porte, mais tu. Non, je pense qu'il faut que je grimpe. Je pense qu'il va falloir grimper un peu, c'est assez évident. D'ailleurs. Par là, on va faire un peu d'escalade. Ouais. Ça me semble être dans cette direction. Ouais, bah les pacificateurs. Est-ce que je peux? Ça va être, ouais, je suis un peu court, donc ça va être là, je pense. Les pacificateurs, en fait, bah, je pense pas que ça soit la faction, la bonne faction du jeu. Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont nous la mettre à l'envers. Oula. Je peux me relever? Oui, voilà. Je pense qu'ils vont nous la mettre à l'envers. Ils sont peut-être même carrément de mèche avec... Un cadavre ici. On va aller voir. Ils sont peut-être même carrément de mèche avec... Non, là, je peux pas grimper. Je peux passer par ici? Ouais. Ah! Non, là, je peux pas faire ça. Et là, je suis trop court. Oui, je vois qu'il y a des poutres. Ah bah ici, oh, si je prends mon élan de là, ça va passer. Oh, ça passe. Ah bah oui, il y a moyen de passer par derrière ici. Ok, c'était comme ça. Aitor, ça a marché, je suis entré. Ah, je suis tombé. Aitor, je suis entré. Ok, on y est presque. Essaie de trouver des générateurs. Je viens de dire que je ne peux plus ressortir. Les militaires établissent pour l'alimentation de secours. Fais marcher un générateur et la porte devrait s'ouvrir. Attends. Générateur. J'ai trouvé une boîte. Je vais essayer de l'ouvrir. Ah, non. Non plus. Ici, non. Bon, c'est pas grave, j'ai plein de crochets. Je trouve pas le... Ah, ici, il est ici, c'est bon, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Ah, une écharpe et des rations. Et là, je peux ouvrir la porte. Je ne peux pas ouvrir la porte.
Et j'imagine que c'est dans la zone en fait que je dois trouver l'item. Peut-être en passant par le toit. Ah, lâche Aiden, non, non. Il a Aiden. Pas là-dedans. Ah, j'ai trouvé des clopes. Paquet de clopes. Bah c'est pas ici. En tout cas, il y a rien ici. On va aller au fond. Parce qu'il faut pas oublier que là, je suis en train de perdre aussi du temps. Faudrait pas que je me transforme ici. Allez, cavale. Cours, fonce, vol, nage, fais ce que tu veux, mais avance. Ah, j'ai trouvé un truc. Mais c'est sans doute pas ça qu'il me fallait. Là, je peux pas. En fait, je cherche à activer le générateur. Ouais. Ça, c'est un générateur. Ah. Ok, c'était peut-être pas le bon générateur. Il y a peut-être d'autres générateurs que je dois activer. Est-ce que ça serait à l'intérieur de... Allez, allez. Ouais, je peux encore... Non, je peux pas rentrer dans celui-là. Ok. C'est un autre générateur. Là. Bon, je cherche. Là, je devrais finir par tomber dessus. J'ai potentiellement tout fouillé. Ah, mais peut-être que je l'ai activé en fait. Activer le générateur. Non, je l'ai pas activé. Ah, mais il y en a un ici aussi. D'accord, c'était celui-là alors qu'il était juste à côté de la porte. Hakon, c'est toi? Ah! Celui-là a l'air un peu plus dégueulasse. Allez, j'ai pas de... Oh, tout ce dont j'avais besoin. Oui, j'adore ma vie. Ah, le con. Le combat est un peu ridicule. Oula! Oula! Aïe aïe aïe! Ah mais non, il... Ah, il m'a roulé dessus! Il m'a roulé dessus! Bon! Très bien, oui, il réapparaît. Mais là, éliminer la menace. Comment je l'élimine ce truc? Oula, je suis où? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oula, ok. Je suis censé l'éliminer comment par contre? Ah, je suis sur les barbelés. Aïe aïe aïe. Non, non, relève-toi vite. Ok, faut le faire rentrer dans les items, je pense. Ouais, voilà. Oh, il est complètement con, en fait. Ah, il avait du parfum sur lui. C'est un monstre distingué. Bah très bien, c'est fait. Bon, au moins on sait comment tuer ces saloperies. Ouvre la portasse. S'il vous plaît. Cet équipement a
pas servi depuis 15 ans. C'est un vrai miracle que ça fonctionne. Ouais. Ah, mais c'est belle barbe. Parce qu'il n'y avait plus personne pour le bousiller. Mais c'est les pacificateurs. Ok, Pearwoob, allez voir l'autre sortie et descendez dans le tunnel. Walls devrait pas être loin. Ok, on s'en occupe. Bien joué, soldat. Tu m'inspires pas confiance non plus. La partie métro. Alors, elle pas du tout. C'est le bazar. Il... C'est quoi ce bordel? Là-bas. Attention les doigts. Merde. Silence. Il faut rétablir le courant. C'est sûrement un fusible. Il doit y avoir un tableau quelque part. Hé hey oh, allez. Qu'est-ce que vous foutez? Putain, mais quel bordel! Essaie de le trouver. Il y a sûrement une salle technique pas loin. Ah, une salle technique. Je t'ai demandé de rester dehors. Depuis quand tu commandes, putain? Messieurs, Walt, c'est peut-être ici. Restez concentrés, merde! Ouais, c'est moi qui vais. Attends. Donc pendant que moi je vais faire la job, vous restez là et vous vous engueulez. Très bien, j'ai compris. Vous savez quoi? Pour la vidéo, je vais m'arrêter là et on se retrouve très vite.